واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. Moi c'est Mohamed Yassine. Bientôt 38 ans, Inch'Allah, pendant Ramadan. Marié, 3 enfants, Walillahi alhamd, 3 garçons. Je suis né à Paris. J'ai toujours vécu en France, à Paris. J'ai pas mal d'activités. Je suis un peu, on va dire, entrepreneur. J'ai un parcours assez atypique, mais en ce qui concerne le Coran, c'est depuis tout petit. Je suis fils d'un ancien imam, rahimahullah, qu'Allah lui fasse miséricorde, et qui m'a fait aimer le Coran depuis tout petit. Et puis ainsi de suite, en grandissant, donc il y a tout un parcours divers passages en institut de formation, chez quelques mashayikh qui ont les qira'at. Et alhamdoulilah, petit à petit, on s'est formé. L'apprentissage, il a commencé réellement depuis tout petit. C'est l'histoire avec le Coran, c'est une histoire d'amour qui a commencé depuis tout petit, depuis tout jeune. J'ai toujours appris depuis tout petit, mais on va dire qu'on a eu ce déclic une fois que j'ai atteint l'âge de 9 ans, 10 ans à peu près, où j'ai commencé à faire mes premiers tarawih. Et là, c'était des enfants qui faisaient les tarawih, et ça, c'est quelque chose qui m'avait beaucoup frappé à l'époque. Je me suis dit, 9 ans, 10 ans, ils avaient à peu près le même âge que moi, 9 ans, 10 ans, 11 ans, ils connaissaient déjà tout le Coran. Et ça a été le déclic, pourquoi eux et pas moi? Voilà, c'était des élèves donc de l'institut de Sheikh Al-Hammami, rahimahullah, le château qu'on appelle le château, très connu à l'époque dans les années 80, les années 90. Et donc ça m'avait donné envie d'apprendre. Et voilà, de fil en aiguille, alhamdoulilah, avec le papa qui encourage derrière. Et on a commencé à apprendre. Et puis, après, un peu plus âgé, on va dire, à l'adolescence, j'ai eu la chance d'aller à Château-Chinon, donc l'Institut Château-Chinon, où on enseigne le Coran. Et alhamdoulilah, j'ai pu terminer le Coran là-bas. Alhamdoulilah, j'ai fait une khatma là-bas. Mais j'avais déjà commencé avec un shir ici même, en région parisienne, où j'avais appris pratiquement le tiers du Coran avec lui. Puis ça devenait difficile d'avancer. Ça devenait difficile d'avancer. J'étais à l'école en même temps, donc j'apprenais le Coran. À un moment donné, c'était un petit peu compliqué. Il fallait s'isoler. Donc j'ai eu la chance de pouvoir partir pendant une année complète pour me consacrer au Coran. C'est toute une question de rapport au Coran, en fait, en réalité. C'est un rapport qu'on a au Coran, c'est un rapport d'amour. Si on a l'amour du Coran, si on a l'amour de la parole d'Allah et qu'on se rend compte en fait de ce que c'est que la parole d'Allah, il n'y a pas d'impossible. Et surtout qu'Allah subhanahu wa ta'ala le dit lui-même, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرُ. Nous avons facilité l'évocation, le Coran, pour celui qui aimerait évoquer. Et donc Allah lui facilite. S'il a cet amour de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans son cœur, rien ne lui sera difficile. Je me rappelle une petite anecdote. Lorsque j'étais arrivé, moi j'étais tout jeune, lorsque j'étais arrivé à l'institut IESH de Château-Chinon, une personne qui avait, c'est pas très vieux, mais il avait 58 ans. Il est arrivé à la même année que moi, et à 58 ans, il avait décidé d'apprendre le Coran. Il voulait absolument l'apprendre avant ses 60 ans. Et effectivement, il a pu terminer le Coran, a commencé à 58 ans. Rien n'est impossible. Il suffit d'aimer la parole d'Allah. Il faut qu'on se rende compte, en fait. Pour aimer la parole d'Allah, il faut qu'on se rende compte de ce que c'est que la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala, avoir ce rapport avec Allah, subhanahu wa ta'ala, et se dire que apprendre le Coran, c'est apprendre des paroles que Dieu, le Créateur, subhanahu wa ta'ala, a prononcées. C'est-à-dire, lorsqu'on mémorise le Coran, c'est nous qui sommes honorés par sa mémorisation. Donc celui qui aimerait être honoré, celui qui aimerait, je ne dis pas que tout le monde doit apprendre le Coran par cœur, mais le fait d'apprendre le Coran par cœur, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne que les parents en seront récompensés, les parents de cette personne, ils seront habillés, vêtus et ornés d'un vêtement très spécifique, très, très honorable, fil jannah, ça c'est quelque chose de motivant, en plus de toutes les récompenses de celui qui apprend le Coran. Lorsqu'on apprend le Coran, on a un rapport au Coran qui est continuel. Et en fait, on ne cesse d'évoquer. On est dans une évocation continuelle d'Allah subhanahu wa ta'ala et de la parole d'Allah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون